Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser le bracelet chaîne dos de chien grâce à la planche Wing Jing. Donc pour cela, il vous faudra votre planche. Il vous faudra deux pitons moyens et un plus petit, les fixations, une pince nylon, une pince en bourron, une pince coupante et du fil alu en 2 mm. Donc tout d'abord, nous allons poser l'un des plus gros pitons sur notre planche. Ensuite, nous allons compter 4 sur notre gauche, puis poser le deuxième. Pour finir, nous allons compter encore 4 sur notre gauche et poser le plus petit. N'oubliez pas de mettre vos fixations à l'arrière avant de travailler. Prenez un morceau d'à peu près 15 à 20 cm de long que vous allez, à l'aide de votre pince en bourron, vriller de sorte à former une petite boucle. Cette petite boucle, on va la placer dans le plus petit piton en mettant la boucle vers le haut. Ensuite, nous allons passer sous le deuxième plus gros piton et nous allons faire le tour tout en maintenant et en serrant très très fort notre fil de façon à ce qu'il fasse vraiment bien le tour de ce piton. Nous allons faire la même chose vers le deuxième. N'hésitez surtout pas à tourner votre planche en même temps que vous travaillez. Vous verrez que ce sera beaucoup plus simple à manipuler. Une fois que c'est terminé, on enlève notre travail de la planche. Maintenant, le reste se fera à l'aide de nos pinces. Nous allons prendre nos pinces en bourron et nous allons pincer la moitié de notre boucle. Puis, nous allons tourner délicatement la partie la plus longue vers notre droite. Et nous faisons la même chose avec l'autre. Nous obtenons quelque chose comme ceci. Nous allons maintenant prendre notre pince nylon et pincer la boucle de droite, puis prendre le petit morceau de fil que nous allons tourner un quart autour de façon à le bloquer. Une fois que c'est fait, on vient prendre notre pince flush cutter et nous allons tout simplement couper à ras-bord. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'autre boucle. Pour ceci, vous allez prendre le début de chaîne que vous avez déjà réalisé au préalable. Et nous allons tout simplement enfiler la dernière boucle de cette chaîne dans le long fil qui nous reste. Et nous allons le passer dans notre boucle. Nous le contournons et nous allons la bloquer ainsi sur la boucle précédente. Lorsque c'est fait, nous allons prendre notre pince. Nous allons pincer la moitié de notre travail et le plier en deux sur lui-même. Lorsque les deux boucles se rejoignent, que vous pensez que c'est suffisamment droit, alors, vous allez prendre le fil le plus grand que vous allez tourner un quart autour de votre travail. Maintenant, vous pouvez couper. Vous allez pouvoir ainsi réaliser de multitudes de boucles différentes de façon à réaliser un bracelet. Une fois que c'est fini, voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez bien évidemment rajouter des perles entre chaque section, à vous de réaliser de la couleur de votre choix. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite.